Bonjour à tous. Média 46 se lance dans un autre type de vidéo sur les applications écolo et gratuites qui peuvent nous aider à comprendre notre impact sur l'environnement, notre alimentation ou même savoir quoi faire des objets dont on ne veut plus. Donc rendez-vous tous les mois pour une vidéo écolo. Ouais. Jingle. Ce mois-ci, on a testé Too Good To Go. Alors c'est une application qui nous permet de réserver des paniers de produits invendus par les commerçants. On a réservé deux paniers à la Biocoop. On va y chercher ? Ouais, c'est parti. Tous les jours, les magasins comme le nôtre ont des produits qui sont des invendus. Et l'idée, c'est d'anticiper un peu cette non-vente de produits. Un tiers de la production mondiale est gaspillée, soit plus de 40 tonnes jetées dans le monde par seconde. Donc il y a juste le site à installer sur notre ordi. Un montant à définir pour le panier. Donc en fait, il a une valeur marchande de 12 euros et on le revend 3,99 euros. Tout se fait avec l'appli, la réservation du panier, le paiement du panier. On n'encaisse rien directement. C'est des paniers à petit budget. C'est des paniers surprises aussi, donc il y a le jeu de ne pas savoir ce qu'on va avoir et peut-être du coup avoir accès à des produits qu'on n'aurait pas eu l'idée d'acheter. Morgane, elle a eu de la viande. Bon, j'ai eu du tofu. On va trouver un deal. C'est vrai que le souci qu'on peut avoir, nous, dans une boulangerie-pâtisserie, c'est qu'au bout de deux jours, les gâteaux, eh bien, ils sont plus propres à la vente, ils sont consommables bien entendu, mais à la vente c'est très compliqué de vendre un gâteau qu'il y a deux jours. Aujourd'hui avec Too Good To Go, j'ai trouvé un bon système pour justement ne pas les jeter. Le but du jeu, c'est de passer les invendus. Donc ça peut être aussi bien du pain, des viennoiseries, du salé à travers des tartes qu'on fait tous les jours, ou après bien sûr des pâtisseries. L'application Too Good To Go a été téléchargée plus de 1,3 million de fois. Cette application est présente dans 8 pays et totalise plus de 4 millions de repas sauvés. Ce qu'on retient de l'application, elle est super avantageuse pour les consommateurs ainsi que pour les commerçants. Elle est peu développée dans les territoires ruraux. Tous les commerçants peuvent être partenaires à l'application. Des boulangers, des pâtissiers, des supérettes, des vendeurs de sushis, des primeurs ou même des restaurateurs.